ce dimanche 15 mars 2015, webpresse.ca était sur le tapis rouge des Jutras. Les Jutras, ici, ça boucle un peu la boucle. Il y a eu plusieurs festivals, plusieurs cérémonies, plusieurs occasions, puis celle-là est comme celle qui vient terminer le tout, conclure le tout. Peu importe ce qui va se passer, c'est la fin de Mommy. J'avoue que pour moi, c'est le fun de pouvoir passer à autre chose. Ton coup de cœur cinématographique pour la dernière année? Je vais dire 87 de mon ami Ricardo. Moi, j'ai aimé beaucoup Ceci n'est pas un polar, qui n'a pas été en nomination, mais j'ai bien aimé ce film. C'est Trois histoires d'Indiens de Robert Morin, puis Mommy de Xavier Dolan. Ah, Tu dors, Nicole aussi, que j'aime beaucoup. Bon, il y a ça. 1987, ah, il y avait vraiment des bons films. Henri, je l'ai aimé, mais Mommy, c'est comme ça surpasse tout. Là. C'est même pas un film québécois, on dirait. C'est un film international. J'ai adoré La Petite Reine. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré 1987. J'ai beaucoup aimé Tu dors, Nicole. Il y en a plein. C'est une bonne année, vraiment, pour le cinéma québécois. C'est une très, très bonne année. Merci à vous.